En février 2020, on avait un projet de documentaire pour suivre le cinéma québécois qui se déployait partout à travers le monde. Premier festival, Berlin. On est avec Philippe Falardeau sur le tapis rouge de l'ouverture de la Berlinale avec son film « My Salinger Year ». Moi, je suis comme un petit garçon. Anaïs Barbeau-Lavalette y présente aussi son film « La déesse des mouches à feu ». On est rentré de Berlin le 27 février et on devait repartir la semaine suivante pour Mexico City pour les premières de Cuasipan et d'Antigone. Le soir même, on déclarait le premier cas de coronavirus au Québec. Tout s'est arrêté d'un coup. On est tombé confiné. En l'espace de 48 heures, mon calendrier s'est défait. C'est comme un coup de pelle d'en face. J'ai eu l'impression que c'était vraiment comme si on frappait un mur puis il n'y avait eu aucune vibration possible. C'est comme « pac! Merci, c'était fini. » Le film s'est fait couper l'herbe sous le pied. C'est pas une histoire heureuse pour le cinéma. C'est un drame, véritablement, pour tout le monde. Et c'est pas fini, parce que quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à tourner? Il y aura sûrement des victimes. C'est une crise comme on n'en a jamais vécu. Oui, c'est catastrophique. C'est une année anus horribilis, là. On est dedans, là.